Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo sur donc la sortie de diapose de mes Lasius SP et surtout la mise en i disons. Donc là voilà, là ils sortent tout juste de diapose, là je viens de les sortir il y a quoi, il y a je sais même pas il y a combien de temps, enfin bref. Et donc vous voyez, elles commencent un tout petit peu à s'activer là, elles sentent un petit peu la chaleur, donc elles commencent à se dégourdir un petit peu, elles sentent qu'il fait un peu plus chaud. Donc la première chose que j'ai fait, donc c'est de les nourrir, hein, parce qu'à la sortie de diapose, voilà, vous voyez, la reine, elle est toute maigrichonne, là. Voilà, elles vont avoir besoin d'un peu de nourriture. Et puis une fois qu'elles se seront bien gavées, bah écoutez, on va les transférer dans leur nid, leur nouveau nid, là, parce que là, elles sont en tube à essai. Et donc voilà, donc cette reine, je l'ai chopée l'été dernier. Donc là, il faut savoir qu'on est en avril 2021. J'ai dû la choper genre en juillet 2020, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc vous voyez qu'elle a quand même un beau couvain, hein. C'est quand même une bonne reine. Elle a fait pas mal d'ouvrières, et donc là, bah écoutez, on va les nourrir, et puis après je vous montre ça, le transfert dans le nid. Allez, c'est parti! A few moments later. One week later. Donc on se retrouve un peu plus d'une semaine après la transition pour vous montrer un peu comment elles se sont organisées. Vous voyez, là c'est le tube à essai pour la flotte, là c'est un peu de bouffe. Et puis, bah écoutez, regardez hein, par vous-même, elles se sont installées juste à côté de la réserve d'eau, ça c'est pour l'humidité. Donc voilà, elles se sont mises là. Vous voyez, la reine n'a pas encore pondu, je crois, mais par contre, les larves se développent tranquillement, ce qui devrait nous donner des ouvrières dans quelques semaines ou quelques mois. Et puis bah écoutez, je vous filmerai ça pour vous tenir au courant, comme ça on va suivre un petit peu. Et puis moi je vous dis à la prochaine!